Hey yo les amis, que c'est Mortellus, on se retrouve sur Dofus. Il faut que j'arrête de faire ça, c'est à chier. Pour la suite des aventures, alors nous avons terminé le donjon ainsi que toutes les quêtes, je pense. Mais pour vérifier, nous allons voir déjà dans nos quêtes. Nous avons plus que destination Astroops. Aller voir Maître Anemo qui est là. Et sinon, les succès, c'est le plus simple pour voir les quêtes. On va dans quête. Astrub, non pas Astrub, je suis bête. C'est Incarnam, voilà, Incarnam, 100%. Nickel, donc ça veut dire qu'on a tout terminé. Whoop, whoop. Et bien voilà, vous êtes prêts les amis, nous allons pouvoir dire au revoir à notre petit Incarnam avec ce petit donjon. Tristesse. Nous devenons grands, ça y est. Alors il vous demande si vous voulez bien quitter le monde des loups, l'Incarnam. On dit que oui, on est prêt à explorer. Il dit, vous êtes sûr? Alors sautez dans le portail. Et là, on s'approche du portail, on clique dessus et paf! Succès vrai, c'est juste d'Astrup. Voilà, magnifique, on y est les gars, regardez, on est quand même dans Astrup qui a été refond, mais voilà, on est arrivé dans le monde des 12, regardez-moi ça, c'est juste gigantesque. Qu'est-ce que j'ai, oui, Astrup c'est quand même un des villages les plus connus, c'est celui où on reste le plus longtemps quand même, même quand on est haut niveau, bas niveau, abonné, pas abonné, on est tout le temps à Astrup quasiment. Alors on va commencer directement, hein. Alors envoyer des 12. Alors elle nous dit, voilà, tu es bienvenue ici, on lui demande pour en apprendre davantage. Elle nous explique qu'avant, c'est un lieu où tout le monde vient ici. Donc toutes les personnes qui viennent d'Incarnam, c'est leur premier endroit où ils atterrissent, donc c'est Astrub évidemment. Elle nous explique qu'avant, c'était... on la suit. Hein. Elle nous explique qu'avant, c'était donc un village où c'était des... Comment ça? Des aventuriers, des mercenaires, etc., qui sont devenus en fait les marchands. Tous les mercenaires et tout sont devenus les marchands, les hôtels, hôtels de vente, tatatam. Donc avant c'était une ville dangereuse, mais maintenant c'est beaucoup plus calme. Alors voilà, on s'en va de là. Pouf. On va y prendre le zap directement. Je préfère le zap. Tac. Allez, voilà, comme ça on a débloqué un nouveau zap. On va dire bonjour aux gens, hein, parce que quand même c'est important les gars. Bonjour à vous. Ah non. Si, 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 attendez. Bonjour à vous. Yo. Ah. Voilà. Voilà. Vous voyez? Les gens sont quand même polis. Allez, merci. Salut. Voilà. Yosh, yo. Ouais, c'est trop cool. Voilà. Alors, on va voir la conseillère d'Archie qui va pouvoir nous aider un peu, nous en apprendre plus sur la ville, etc. Alors, paf. Elle nous demande si on s'est bien essuyé les pieds parce qu'on est cracra. On dit qu'on va en savoir plus sur la ville. Donc, elle nous explique, comme j'ai dit, hein, avant, tout le monde apparaît ici pour la première fois. Et qu'avant, c'était des mercenaires qui sont devenus marchands. Elle dit que la ville se compose de bibliothèques, d'hôtels de vente, d'ateliers, etc. Voilà, qu'avant c'était le bordel, en gros, et que maintenant la discipline règne. Attention, on doit dire soit on est bien d'accord avec la discipline, soit on est plutôt anarchiste. On est anarchiste. Alors, voilà, donc j'espère que vous allez vous tenir à carreau, blablabla. Alors, si on veut en savoir un peu plus par rapport aux œufs de dragon, il dit, je suppose que vous êtes ici pour chercher aussi les œufs de dragon. On dit, bah, bien sûr. Alors, il dit, attention, parce que il y a un genre de trafic de faux Dofus dans la ville d'Astrub. Et donc, il nous dit, est-ce que vous êtes prêt à jouer un peu l'espion pour savoir qui sont les escrocs? J'ai du mal, les escrocs. Escrocs, yo. Qui osent vendre des faux Dofus, voyons. Alors on dit oui, on est prêt à jouer le jeu. Ils disent voilà, les seules infos qu'on a pour l'instant, c'est que ça se promenait du côté de la taverne. Quand on a trouvé la personne, on devra l'emmener au chef bas du front, qui s'occupera de lui. C'est le gars de la... Bas du front, c'est la milice, la prison. Comment s'appelle ça, la milice? Alors attendez, on va prendre une nouvelle quête en même temps. Donc on dit... demander où on se place au calme, elle dit d'aller voir à l'étang d'Astrub un peu pour se promener. On suit son conseil. Voilà, mais on va pas faire ça tout de suite sinon la vidéo va durer trop longtemps. Ici c'est vraiment plus une prise de trucs. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est trop beau.
Alors là, par contre, ce qui est chouette, c'est que ça a été un peu refait, les gars. Avant, on n'avait accès qu'à qu'au Donjon des Champs et Cancreball, qui est un peu plus nouveau. Maintenant, on a accès l'Ensablé et le Bouffetout Royal, tout en nom abonné. Oui. On le voit parce que là, c'est abonné, il y a le Unity au-dessus. C'est quand c'est une guilde, une alliance qui tient la zone. Tant qu'il n'y a rien d'écrit, vous voyez, c'est que c'est nom abonné. Donc tout ça, ah, ça aussi, on a son nom abonné. J'en apprends tous les jours, et si me tient un truc non abonné, il devrait faire ça aussi, je trouve, non abonné. Mais bon, bref. Voilà. On est bien arrivé à Astrubes, les amis. Voilà, donc évidemment, il y a plein de quêtes partout. Je pense qu'on va faire les premières quêtes pour la prochaine fois. N'hésitez toujours pas à me rajouter un ami. Hein. Vous tapez Mortelius, Mortelius. Et voilà, vous me trouverez. Donc, les quêtes, est-ce qu'on en a beaucoup? Pour l'instant, on n'a que ça. Mais je voulais savoir dans les succès. Histoire qu'on voit un peu comment on va s'amuser. Effectivement. Effectivement. Effectivement, il y a quand même beaucoup de quêtes. Mais bon, il y a des quêtes quand même très intéressantes. Parce qu'il y en a qui donnent accès au fameux... Je sais pas si on la voit ici, en fait. Au fameux Dofus. Logiquement, il y a une quête pour le fameux Dofus argenté. Enfin bref, ça on verra plus tard. Je vais arrêter là. Ça c'était juste la première prise. Hein. Je pense qu'après on va faire tout le tour. Et que je vais faire une première prise de contact en fait. Tout à fait. Mais c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Alors je vais dire dites bonjour, je filme. Dites bonjour. J'enregistre les amigos. Ah, regardez ça, la communauté de Dofus, la communauté d'Ilisaël, va-t-elle être fort sympathique ou me mettre des tornades? Voilà. Ok. Alors, allez, je suis sûr que vous êtes gentil. Vous êtes un bon serveur. Allez, on dit bonjour. Non. Ah, ok, ça se fout de ma gueule déjà. Bon, ok, j'ai compris. Du coup, on va arrêter là, hein, ok. Première prise, on va dire correct. Mais bon, moi je m'en fous, je suis arrivé sur Astrub, c'était quand même super important. Droit à l'image, voilà, je vais me faire engueuler. Bon, paye, oh là là. Bon, je vais vous laisser là, les amis, je vais régler mes comptes avec les gens, hein, en espérant ne pas me faire ban. Bon, allez, je vous dis à bientôt, les amigos, pour la suite de l'aventure sur Astrub. Enfin, on y est. Allez, tchou tchou!